Bonjour les enfants, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lila. C'est la gomme de Lila. Mais avant de vous raconter cette histoire, il vaut mieux d'observer cette image. Alors que voyez-vous? Qui est-ce? Oui, c'est Lila. Et qui est-ce? C'est la mère de Lila. Et pourquoi Lila est en colère? Oui, c'est très bien. Alors, elle est en colère parce qu'il n'a pas trouvé un objet. C'est la gomme. C'est la gomme de Lila. La gomme de Lila est perdue. Alors, elle accuse sa sœur Romane. Très bien. Elle accuse sa sœur Romane d'avoir volé sa gomme. Alors, écoutez maintenant l'histoire. La gomme de Lila. Lila a perdu sa gomme verte. Elle regarde dans son cartable une règle, mais pas de gomme. Elle s'énerve. Romane a volé ma gomme. Romane, Romane. Romane est sortie, déclare sa mère. Elle a volé ma jolie gomme verte, affirme Lila. Elle est à moi. Marine me l'a donnée. Lila, regarde devant toi, murmure la mère de Lila. Lila regarde. Sa gomme a glissé sous la table. Tout simplement. Je répète encore fois. La gomme de Lila. Lila a perdu sa gomme verte. Elle regarde dans son cartable. Une règle, mais pas de gomme. Elle s'énerve. Romane a volé ma gomme. Romane, Romane. Romane est sortie, déclare sa mère. Elle a volé ma jolie gomme verte, affirme Lila. Il a volé ma jolie gomme. Elle est à moi. Marine me l'a donnée. Lila regarde devant toi, murmure la mère de Lila. Lila regarde. Sa gomme a glissé sous la table, tout simplement. Alors voici les questions. Je vous propose ici des questions qu'il faut répondre. Alors, compréhension débat. La perte d'un objet. Qui Lila accuse-t-elle d'avoir volé sa gomme? Qui Lila accuse-t-elle d'avoir volé sa gomme? Où était la gomme? Où était la gomme? Toi, as-tu déjà perdu quelque chose? Est-ce que tu peux nous raconter? Qui Lila accuse-t-elle d'avoir volé sa gomme? Où était la gomme? As-tu déjà perdu quelque chose? Est-ce que tu peux nous raconter? C'est ce qu'on appelle la perte d'un objet. La perte d'un objet. Qui, Lila, accuse-t-elle d'avoir volé sa gomme? Où était la gomme? As-tu déjà perdu quelque chose, toi? Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, ce sont les trois questions de l'oral, la perte d'un objet. Voilà. Alors, il faut tout simplement répondre. Essayez de réfléchir d'abord. Puis on va faire la correction dans quelques instants. Alors, j'espère que vous avez bien travaillé. Qui Lila accuse-t-elle d'avoir volé sa gomme? C'est sa sœur Romane. Lila accuse sa sœur Romane d'avoir volé sa gomme. Lila accuse sa sœur Romane d'avoir volé sa gomme. Où était la gomme? Lila, regarde devant toi. Lila regarde, sa gomme a glissé sous la table.
Alors la gomme était sous la table. Et toi, as-tu déjà perdu quelque chose? Est-ce que tu peux nous raconter? Vas-y. Alors voici les réponses. Qui Lila accuse-t-elle d'avoir volé sa gomme? C'est sa sœur Romane. Lila accuse sa sœur Romane d'avoir volé sa gomme. Où était la gomme? La gomme était sous la table. Lila regarde, sa gomme a glissé sous la table. Et pour la troisième question, c'est à toi de répondre. Est-ce que tu as déjà perdu quelque chose? Est-ce que tu peux nous raconter? Gomme de Lila. Lila a perdu sa gomme verte. Elle regarde dans son cartable. Une règle. Suivez avec moi et lisez avec moi. Lila a perdu sa gomme verte. Elle regarde dans son cartable. Une règle. Mais pas de gomme. Elle s'énerve. Roman a volé ma gomme. Roman, Roman. Roman est sorti, déclare sa mère. Elle a volé ma jolie gomme verte, affirme Lila. Elle est à moi. Marine me l'a donnée. Lila regarde devant toi, murmure la mère de Lila. Lila regarde. Sa gomme a glissé sous la table. Je répète encore une fois, essayez de lire maintenant la gomme de Lila. Lila a perdu sa gomme verte. Elle regarde dans son cartable. Une règle, mais pas de gomme. Elle s'énerve. Roman a volé ma gomme. Roman, Roman. Roman est sorti, déclare sa mère. Elle a volé ma jolie gomme verte, affirme Lila. Elle est à moi. Marine me l'a donnée. Lila, regarde devant toi, murmure la mère de Lila. Lila regarde, sa gomme a glissé sous la table. Alors pour la dernière fois, la gomme de Lila. Lila a perdu sa gomme verte. Elle regarde dans son cartable une règle, mais pas de gomme. Elle s'énerve. Roman a volé ma gomme. Roman, Roman. Roman est sorti, déclare sa mère. Elle a volé ma jolie gomme verte, affirme Lila. Elle est à moi. Marine me l'a donnée. Lila, regarde devant toi, murmure la mère de Lila. Lila regarde. Sa gomme a glissé sous la table. Voilà, c'est tout pour le moment. Alors, la prochaine histoire de Lila sera... Un crapaud à l'école. Un crapaud à l'école.